Yo. Et c'est parti. Et bonjour à toutes et à tous, ici le Caméléon de retour pour le nouvel épisode et le dernier de Age of Empires 3 de la Zen Dynasty. Ah, c'était pas trop mal pour cette extension là. Et maintenant, on va faire la fin de la compagnie. Bien que malheureusement pour l'Inde, la compagnie des Indes a beau être réduite en poussière, ils sont toujours sous le joug impérial de l'Empire britannique. Donc c'est parti pour la relève. Juillet 1857. Delhi est tombée, et les feux brûlent encore et ne sont pas près de s'éteindre. Mes frères et moi nous rendons à Shimla pour défendre fièrement notre cause sur les terres du colonel Edwardson en personne. Je ne crains plus l'inéluctable fin, car le chemin qui me mène jusqu'à lui, désormais, est le mien. On va se fight contre son supérieur. Il y a des têtes qui peuvent tomber normalement. La relève. La compagnie a pris les ressources de ce pays et traité son peuple en intrus. Mais un jour, ce pays sera libre. Bravo, Nanib. C'est votre armée? Ces villageois? Ces paysans? Vous ne tirez pas sur des hommes désarmés cette fois, colonel. Là, c'est vous, Nanib, qui serez seul responsable de leur mort. Vous êtes tout seul, colonel. La compagnie envoie toujours des renforts. Vous êtes tout seul. Oui, tout seul. Vous vous battrez contre nous, colonel. Je prends cela comme un compliment. Vous allez finir à nos pieds, colonel, quoi qu'il en coûte. Vous ne me verrez jamais tomber aux pieds d'un traître. Sauf si vous me tuez. Alors nous vous enterrons. Pas mal ça. Allez, c'est parti. Donc pour ce dernier épisode, je sais pas si je vais le laisser en full ou si je vais la couper en plusieurs parties. Mais ce qui est sûr, c'est qu'elle va être longue. La fin de la compagnie. Edwardson se cache derrière ses murs et son artillerie. Il compte nous épuiser. Il compte sur des renforts. Mais il se trompe. Si tout se passe comme prévu, ce fort sera son tombeau. Adish ? Alors, voyons voir. Les habitants sont là, il n'y a pas grand-chose. Edwardson n'est rien sans les mines de salpêtre de la compagnie. Marchez vers l'ouest et détruisez-les. Et voilà. Alors, à l'est, il y a une belle compagnie navale ici. On pourrait se faire une petite armée navale par ici, mais... Ça va pas être notre objectif pour l'instant. Voilà, autant leveler ce type-là. On a eu nos mahouts disciplinés en plus. Qu'est-ce qu'ils foutent là, ces éléphants? Et normalement, on devait y avoir une immense armée pour attaquer le fort. On se retrouve avec quelques pigus. Oula, excusez-moi, j'ai inspiré d'éternuer. Oh. Excusez-moi. Alors, voyons voir. Oh! Un temple bhakti. Ça pourrait être toujours utile. Voilà. On va augmenter la production récoltée.
Tac 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 tac, une ambassade comme d'hab. Par contre, il va nous falloir pas mal de maisons. Pour nous attaquer au fort, ça va être un peu compliqué. Là, il est protégé par deux grosses artilleries. Il ne sera pas simple d'accéder. Donc on va avoir beaucoup de mal à les garder. On peut les garder sous contrôle. Même si c'est... Oh, ça pourrait être l'objectif au final. Hein. Des lions. Qu'est-ce qu'ils foutent là, les lions? Pas ça? Oh! Si le cœur d'Edwardson est hors d'atteinte, alors nous lui couperons les membres. Attaquez ces comptoirs. Il n'est rien sans eux. On va prendre les alliés français. Ça pourrait nous être très utile. Voilà. Bon, on a perdu un éléphant malheureusement. Voilà. Il va nous falloir des défenses aussi. Et beaucoup de bois. Voilà. Adesh Mekarunga. Il va nous falloir beaucoup de bois. Et bah, en parlant de bois, justement, les Français peuvent nous en fournir. Avoir les gendarmes et les une petite compagnie d'artillerie, ce serait pas trop mal. Deux artilleries montées. Ouais. Pour l'instant, on va mettre quelques défenses. Excusez-moi. Voilà. Du bois. Alors ça, c'est l'un des accès auxquels l'ennemi pourra emprunter. Il va falloir faire attention, car... Oh. L'artillerie lourde passera par ici, si tu dis pas de bêtises, mais l'ennemi principal passera très souvent par là. Les moulins à l'ouest représentent la plus précieuse ressource d'Edwardson. Si nous les brûlons, c'est la famine qui l'attend. Alors là... Il a aucune pitié, Nanib. Oula, les archers vétérans. On s'en va, on s'en va. Oula, merde. C'est qui fout la vie? Ah, j'ai plus de population. Plus de place. Adesh, Makan banane wala. Makan banane wala. Ouais, on peut se les approprier, nous. C'est toujours utile, ça. La différence de taille entre l'éléphant de guerre et l'éléphant normal. Ah, il nous donne des ressources en plus. Excusez-moi. Ah bah, va chercher les ressources, toi. Voilà.
vous, Nanib? Vos attaques me font autant d'effet que des mouches sur un taureau. Alors. Du coup, on lui a coupé ses effectifs sur l'artillerie, si je dis pas de conneries. La première vague d'attaque qui va arriver. Il va falloir les accueillir. Oula, ils m'ont donné pas mal d'XP là. Alors pour pouvoir mettre un bâtiment de comptoir ici, ça va pas être simple avec les archers anglais. Déjà qu'avec celui-là, ça a été simple. Et pour le reste, non. Encore gagné une vache, c'est ça? Voilà. Vos sottises commencent à m'agacer, Nanib. Je vais vous écraser comme l'insecte que vous êtes. Taya, hein? On commence à parler mal là. N'abandonnez pas déjà, Nanib. Ce n'était qu'une fraction de mes forces. Adish, hein? Mais sur le coup, il a pas tort. Hein? Ha! Ha! Adish, Mekurunga. Donc il a fini celui-là, il va revenir. Et on va peut-être se concentrer aussi pour passer à l'âge industriel. Oh la vache! J'ai pas à souvenir de ça, moi. C'est-à-dire, on va avoir un des sérieux problèmes maintenant. Pas mal de renforts. Hello. Correctum danewala. Correctum danewala. Hein? Taiyar desh. Taiyar, main ja raha hoon. Là, on va être un petit peu plus nombreux. Mais l'ennemi va être de plus en plus violent, ça c'est sûr.
bon sens. Hein? Taïa. Mais Karunga. Hein? C'est du suicide pour vos hommes. Ils meurent pour rien. Qu'est-ce qu'on va voir? L'ennemi attaque notre quartier général. La compagnie ne changera jamais. Il y en a qui ont contourné en plus. Oh. Alors là, ils ont fait du nettoyage. J'ai un fort qui pourrait m'être très utile. Je vais le placer là. Voilà. Comme ça, c'est sûr, ils pourront pas tenter de passer par là. C'est un risque à prendre. Ouais, c'est un risque quand même. On va être un petit peu dans la mouise. Pour l'instant. तैयार कमाने वाला तैयार आदेश हां मैं जा रहा हूं तैयार आदेश हां ये लोग आप तो plus en plus nombreux là आदेश हेलो कमाने वाला Combien de morts faudra-t-il pour que vous vous rendiez compte de votre futilité? Taïa. Hamla. You de la mec. You de la mec. Kamane wala. युद्ध करने के लिए हमला
Allez. C'est réglé. Du coup, on va avoir pas mal de renforts maintenant. Pour atteindre Edwardson, nous devons faire taire son grand canon. Concentrez vos attaques sur les murs est et ouest. Alors, prenez possession de ces canons fixes, ça va pas être simple déjà. On va avoir beaucoup de mal déjà de s'approcher avec cette merde. Mais si on arrive à les affamer déjà, à s'occuper en premier lieu les petites quêtes secondaires, ça serait déjà l'idéal. Ah, c'était là auquel il recevait le renfort. Oui, d'accord. Ça va falloir qu'on s'en occupe au final. Hello. Hello. Makan banane wala. Talas, merci ce si par ici. OK. Ouais, c'est ce qu'il fallait s'y attendre. Adesh, ha, ha. Adesh, Sahib, main ja raha hoon. Ah, ben voilà. Makan banane wala. Mieux. Hein, main ja raha hoon. Voilà. Pas encore fini. Oh, j'en ai gagné. Il y a du people là. Désolé les singes, hein. C'était pas prévu. La cavalerie.
Ah, ils vont nous pulvériser. Ah, voilà l'un des moulins. De l'or. Une sacrée montagne d'or en plus. Voilà. Tous les moulins à l'ouest, ça valait pas grand chose. Yuddh karne ke liye. Adesh. Karne ke liye. Voilà, ça c'est réglé. Bon bah l'église, malheureusement, on va devoir la détruire. Ça c'est réglé. Adesh, makan banane wala, makan banane wala.
किसान आदेश युद्ध करने के लिए ça nous en fait la vache là maintenant. Génial, on a attiré les pirates en plus. Tellement qu'on va pas avoir les moyens de réussir à faire un assaut complet là-dessus. C'est lui qui a réussi à s'échapper dans la cinématique. Cinématique précédente. Voilà, on a un petit surplus de population d'infanterie. Une bonne armée. Ah bah, il y a un autre moulin ici, j'avais fait gaffe. Et là, on va avoir assez d'éléphants de siège pour pouvoir gérer. C'est enfoiré. Ainsi, les traîtres ont retrouvé leur courage et décidé de rejoindre leur peuple. Alors. Nos peuples combattront côte à côte. Nous associerons nos forces pour anéantir l'ennemi. Enfin, il prend Nanib comme un allié. Il en aura mis du temps. Depuis sa révolte. Mais avoir une nouvelle caserne n'est pas une si mauvaise chose en réalité. Ça sera plus rapide de former des nouveaux renforts par ici. Voilà. Il va falloir qu'on s'occupe de ce moulin là. Voilà, c'est réglé. Il y a encore des moulins à faire péter. On dirait pas. Non, c'est bon. Maintenant, on va détruire les portes et prenez possession de l'artillerie. Ça, ça va être autre chose. Bon, ça c'est vide. Donc, là-bas. आदेश मैं जा रहा हूं
Hein? Maintenant que ça c'est réglé, on va s'attaquer à ça. युद्ध करने के लिए युद्ध करने के लिए pas mal de points là. Mais pas assez pour avoir l'armée expéditionnaire. Ah, colonel! Merci de nous rendre visite pour vos funérailles. Ça, ça marche pas. Non, je ne mourrai pas au pied d'un traître. Elle va en dire bien que si. Oh, oh, l'artillerie, il fait le taf. Oh là. Pas dans les éléphants. Ah ben voilà. Même les éléphants, ils ont pas aimé. Et là. Alors là, pour l'autre, on va avoir du mal. Mais je vais justement préparer une bonne force de frappe pour gérer cette situation. Alors. C'est qui? On va dire aussi. Il tire pas loin, hein. Pourtant, il fait beaucoup de dégâts aussi. Hein. Ah la vache, ça fait bien de la fortification. Encore les civils, hein. Après tout ce que j'ai fait. Ah
Alors pour l'entre-artillerie, il va être un peu compliqué. On va abandonner celui-là. Quoique. C'est qu'il n'y a plus personne. Il va avoir du mal. Allez. Il faut quoi lui? Oh bah voilà qui est réglé. Gagné. Edwardson a été abandonné par sa précieuse compagnie. Mais je crains que ce combat ne marque le début d'une bien longue guerre. Et il a pas tort. Ah non, brave. Impressionnant, Nanib. Mais vous n'éliminez qu'un seul homme. La compagnie n'en souffrira pas. Elle vous résistera. Même ce maudit pays n'est pas de taille contre elle. Vous m'avez beaucoup appris, colonel. Vous, par contre, vous n'avez rien appris de nous. Rien. Votre compagnie aura beau brûler nos villages et brûler nos maisons, jamais, jamais elle ne pourra consumer l'âme de nos hommes. Rien n'arrête une telle passion. Ni votre argent, ni vos armes, ni vos hommes. Allez ! En enfer ! Viens, Nanib. La prophétie doit s'accomplir. Il en reste bien d'autres à éradiquer. Oui, je crains qu'il n'y en ait beaucoup d'autres. Beaucoup d'autres comme lui. Et voilà le travail. La vidéo fut longue. Donc il y aura pas de coupure en final. Bon, que dire d'autre? Normalement, après ces épisodes de Age of Empire pour l'extension de Azan Dynasty, je devais vous proposer aussi des vidéos de Loren sur Atin Time. Malheureusement, il y a quelque chose qui m'a fait changer d'avis, et que pour certains qui ont suivi mes vidéos sur Frostpunk doivent le savoir. Il y a la dernière extension de Frostpunk, le gouffre, si je dis pas de bêtises, c'est un autre nom mais c'est en anglais et je suis dit en anglais, qui se passe après la grande tempête. Je ne vais pas vous spoiler toute l'histoire, mais ce que je vais vous dire tout de suite, c'est comment vous dire, c'est un peu compliqué à prendre au début, mais c'est après quand on connaît le gameplay, enfin de base si on le connaît, mais aussi si on arrive à s'adapter sur l'histoire, vous pouvez très vite prendre en main et réussir la mission rapidement. Je l'ai fait en 2 heures chrono.
je dis pas de bêtises. Même si la vidéo va, les vidéos seront longues, enfin, de base, elles seront longues, mais je vais le raccourcir plus tard. Ce qui est sûr, c'est qu'il y aura un seul épisode auquel cela vous montrera la vraie fin. Parce que j'ai dû recommencer 3 ou 4 fois, et je n'ai réussi à atteindre la fin qu'une seule fois. Tout le reste, c'était soit une destitution, soit manque de temps que j'ai oublié de régler. Mais bon, bref. Donc, c'est la fin pour la campagne Age of Empires 3, Zazen Dynasty. Ma campagne préférée restera toujours l'Empire du Soleil Levant, la campagne japonaise. Bien que la campagne chinoise a eu quelques petits rebondissements sur l'histoire, malheureusement, son gameplay est trop radical. Et pour la campagne indienne, ou hindoue plutôt, il est pas trop mal, même si on se concentre plus sur l'histoire vraie. Et je préfère, je l'aime bien aussi. Donc, là, c'est tout pour le moment. Je vais vous dire à la prochaine, portez-vous bien et ciao, c'est Caméléon dans Age of Empires 3, The Asian Dynasty. Kak, c'est fait.